Un éco-chinois a-t-il inventé une machine à filer le lin? En 1825, une poignée de journaux français mentionne un certain Jean-Marie, habitant des Cossines-la-Lin. Le journal du commerce de la ville de Lyon et du département du Rhône, daté du 30 septembre 1825, précise qu'Écossines-la-Lin est situé près de Braine-le-Comte, aux Pays-Bas. La Belgique n'existe pas encore et Écossines est dès lors en terre batave. Cet écossinois s'est distingué par l'invention d'une mécanique pour filer le lin, précise la Gazette. Il est aussi mentionné dans la revue encyclopédique ou Analyse raisonnée, volume 27, ainsi que dans le courrier de Gand et des deux Flandres. Il est encore mentionné dans The London and Paris Observer or Chronicle of Literature, Science and the Fine Arts. Napoléon Bonaparte avait lancé un concours dont la récompense se chiffre à l'hallucinant montant d'1 million de francs. Coïncidence, le même procédé avait été découvert par un Français qui compte aussi solliciter un brevet d'invention. Il est glorieux pour la France de ne pas être obligée d'emprunter à l'étranger un procédé de fabrication d'une si haute importance pour nos manufacturiers. Lit-on dans le journal du commerce de la ville de Lyon et du département du Rhône. Espérons qu'il n'en sera pas de cette découverte, comme de tant d'autres qui ont eu besoin d'être adoptées, d'abord par l'étranger, pour se nationaliser en France. L'objectif était de concevoir une machine qui filerait le lin plus finement. L'étirage mécanique n'arrivait pas encore à donner à la fibre la qualité voulue. Dans la Gazette nationale ou le Moniteur universel du 15 septembre 1825, on indique que Jean-Marie a obtenu un brevet d'invention du roi Guillaume Ier pour une durée de 10 ans. Si Jean-Marie a été oublié par l'histoire, l'inventeur français Philippe de Girard n'est lui certainement pas tombé dans l'oubli et pourtant sa vie est une succession d'infortunes. Lors de la publication du concours en 1810, Philippe de Girard s'empresse de déposer un brevet avec son frère Frédéric. En 2 mois, le prolifique inventeur parvient à mettre au point une machine. Il est tellement certain d'emporter la récompense qu'il n'hésite pas un seul instant à investir dans l'implantation de 2 filatures à Paris. Hélas, l'argent du prix tarde à arriver et à la chute de l'Empire, les espoirs de rémunération s'évaporent. Poursuivi par ses créanciers, Philippe de Girard finit derrière les barreaux. Comme un malheur n'arrive jamais seul, ses associés dérobent les plans de sa machine à filer le lin et les vendent en Angleterre contre la somme rondelette de 25 000 livres sterling. En 1815, il s'installe en Autriche sur invitation de l'empereur et y installe une filature. Plus tard, il filera vers la Pologne où il fondera un centre de tissage du lin et une fabrique dans une ville qui prendra son nom polonisé. Ce n'est que 6 mois avant son décès que Philippe de Girard verra son génie et son honneur restaurés dans son pays, qui jusqu'alors n'avait eu aucun égard pour l'un de ses inventeurs les plus féconds. Je devine votre consternation, mais que vient donc faire Jean-Marie dans cette histoire? Je suis tout aussi confuse que vous. Jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé à son sujet. Reste à espérer que Jean-Marie a une descendance et qu'on pourra éclaircir le mystère de la mécanique de la filature du lin née dans la campagne écossinoise à l'aube du 19e siècle. Les inventions des deux hommes sont similaires, mais c'est le nom de Philippe de Girard qui marquera l'histoire des techniques. Et cette machine, qu'a-t-elle de révolutionnaire? La technique consiste à sélectionner les fibres à sec par le biais de petits peignes qui, entraînés dans un mouvement de va-et-vient, s'enfoncent dans le ruban de lin et séparent les filaments. Le trempage dans une solution alcaline dissout ensuite la matière glutineuse en amollissant les fibres pour les étirer. On n'a sans doute pas inventé le fil à couper le beurre à Écossines, mais l'ère du patelin a bel et bien inspiré l'invention de la machine à filer le lin.